I recently shared a lesson where we talked about one of the biggest stereotypes that people hold about French people. But what about the opposite? What do French people really think about American people and American culture? Like any culture, there are many stereotypes about Americans. For example, it is sometimes believed that Americans are workaholic, especially when compared to Europeans. On a more positive note, they're also perceived to be very friendly and talkative. If you've ever wondered whether French people believe those stereotypes, you're in the right place. In today's lesson, which is all in French, I will tell you what French people really think about Americans. Don't worry, I will speak slowly so that you can practice your comprehension skills, and don't forget to turn on the subtitles if you need to. C'est parti! Ah, l'Amérique! Évidemment, je ne peux pas dire tout ce que ça évoque pour les Français. Ce serait trop long. Nixon, Enron, la prohibition, Al Capone, Pinochet, Carl Lewis, Pablo Escobar, le Che Miles Davis, le dollar. Une première idée, c'est que les États-Unis sont la terre de la liberté. Un nouveau départ vers le rêve américain. Je veux la voir et je l'aurai. Si c'est pas là, Amérique, tu vois, ça y ressemble bien. Évidemment, ce n'est pas partagé par tout le monde. Certains Français voient plutôt l'Amérique comme le pays de la pollution et de la malbouffe, avec des gros 4x4 et des McDonald's. Mais il y a aussi une vraie passion populaire pour l'esthétique américaine, comme les rodéos ou la musique country. Ou la chaîne de restaurants populaires Buffalo Grill, qui centre tout son marketing sur cette image. Et évidemment, Johnny Hallyday. Eh bien, le live, c'est le blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. C'est le pseudonyme de ce chanteur francophone qui a eu énormément de succès en France depuis 1960 jusqu'à sa disparition en 2017. Son esthétique de chanteur rock'n'roll américain en France en a fait une icône de la France populaire avec des millions de fans, même s'il est totalement inconnu en dehors de nos frontières. Mais de façon générale, les États-Unis sont le pays du cool. Par exemple, on dit cool. Merci, c'est cool. Ok, cool. Tu m'avais pas dit ça, c'est cool. Ok, cool. On trouve l'influence des États-Unis, par exemple, dans la pop culture, la publicité et même dans notre vocabulaire quotidien. Oh non mais franchement, après le brainstorm et la conf call, j'étais complètement burn-out et il fallait encore que je check mes mails, que je forward 2-3 dossiers à mon boss, tu vois. Je vois. Parce qu'au fond, la France est en grande partie une province de l'empire culturel américain. On regarde Netflix et les films Disney. On écoute de la pop. On mange des burgers chez McDonald's. On reprend les images et les idées et les produits des États-Unis avec une poignée d'années de retard au plus. C'est la vie. Mais ok, toutes ces images parlent des États-Unis comme pays ou comme puissance. Mais que pensent les Français des Américains comme individus? Là aussi, c'est compliqué, mais c'est surtout positif. Quand des Français rencontrent des Américains en France, déjà on se dit « bonjour ». Puis on fait connaissance en tant qu'individu. Les stéréotypes et les préjugés ne s'appliquent plus une fois qu'on a pris un peu de temps pour se connaître. Donc, pas de panique. Mais bon, c'est vrai. Au fond, il y a quand même des stéréotypes. On s'attend à certaines réactions. Alors, au fond, comment est-ce qu'on s'imagine les Américains? Eh bien, je dirais surtout enthousiaste. Dans le cliché, un Américain en France va être impressionné par tout ce qu'il voit, en bien ou en mal. Les monuments, la nourriture, les voitures, les paysages, tout va être formidable, y compris les gens. Donc, ils vont facilement faire la conversation et trouver des choses positives. Et c'est très flatteur et ça change. Nous, on est habitués à avoir des Français qui veulent garder l'air blasé et intellectuel. Et c'est rafraîchissant de voir le monde sous un meilleur angle. C'est aussi lié à l'image d'être plus intense. C'est compliqué à expliquer, mais par exemple, d'après le cliché, les Américains ne vont pas simplement aimer bien manger. Ils vont se définir comme foodies et tout prendre avec un peu plus d'émotion qu'on en attendrait d'un Français. Et c'est super! C'est une bonne chose, mais encore une fois, ce ne sont que des images et des stéréotypes qui s'adaptent dès qu'on peut faire connaissance personnellement. Ça va? Tu as tout compris? Tu trouveras le texte de cette leçon en entier sur mon site en français et en anglais. Clique sur le lien sous la vidéo et tu trouveras plus de choses encore. Et c'est gratuit. Évidemment. Maintenant, j'aimerais revenir rapidement sur quelques mots. Déjà, l'Amérique et les États-Unis. Even though America is a continent, we tend to use them interchangeably in everyday life to mean America and the United States. In l'Amérique, you have this E sound and the French R, so they make it a bit tricky to say. Repeat after me, l'Amérique. 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 With this R sound. Good. Then we have les États-Unis. In les États-Unis, we have deux liaisons. The S sounds like a Z sound. We have les États and Unis. Repeat after me. Les États-Unis. Les États-Unis. With la liaison, remember, les États-Unis. Good. We need to talk about un nouveau départ as well, for a new start. Nouveau means new with the OU sound, and the O, E-A-U looks a bit complicated, but it sounds just like O, 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 nouveau. Le départ is the way of living or the starting point. You have a E sound in le départ and the silent T. Repeat after me. Un nouveau départ. Again, un nouveau départ. One last time. Un nouveau départ. Then we have le rêve américain that is literally the American dream. Un rêve, rêve is a dream. We have the E with the accent, that is a bit tricky, which is a bit longer than a normal E, E, E. And we have Américain, which is the adjective for America, with the un, the nasal un sound at the end, which is written A-I-N. So repeat after me, le rêve américain. As you noticed, again, in le rêve, the E is a bit longer than I used to say because we have this accent. So repeat after me. Le rêve américain. One last time. Le rêve américain. Good. C'est la vie means that's life. C'est la vie. Repeat after me. C'est la vie. Again, c'est la vie. C'est la vie. Easy. Les gens means people in general, which is always in the plural. The S at the end of gens is silent and you have a en sound in the middle of gens. En, nasal en. So repeat after me. Les gens. Les gens. One last time. Les gens. And finally, formidable, which means fantastic or amazing with the French R. Formidable. That is much more positive than the English formidable. Repeat after me. Formidable. Again, formidable. Formidable. Good. Formidable. Et toi, est-ce que tu as tout compris? Quels sont tes clichés sur les Américains? Donne ton avis dans les commentaires. Pour aller plus loin, je te propose 3 leçons où je parle des clichés sur les Français, de ma rencontre avec des touristes français et même de Emily in Paris. C'est dans la playlist du jour. Clique ici pour y aller. Allez, salut!